Les Lions Club en deuil. 6 autorités de leur creuset ont perdu la vie suite à l'accident tragique de Dassa Zoumé. On part des frontières, soulageons la misère et toujours servir son prochain, tel est notre dessein. À cet effet, les Rotariens, Inner Wheel et autres clubs services venus des quatre coins du continent se sont joints ce samedi à la cérémonie de recueillement de prières organisée par les Lions Club du Bénin en mémoire des lions disparus. Devant amis, parents, collègues et proches des illustres défunts, divers témoignages ont été faits. Cher ami Olivier, tes amis du Lions Club Cotonou Azur te souhaitent un bon séjour dans l'au-delà. Va et repose en paix aux côtés de celle que tu as tant chérie, ta lionne, le lion Rufine à Pankou. Vous avez bien accompli votre mission. Cher Frida Adebayo Azuma, ton dynamisme t'a permis d'être élue présidente pour le mandat 2020-2021. Ta mort, Pépé Frida, nous la subissons comme la chute d'un grand arbre. Le couple Moubachirou Victorin Adéchoquant et Mylène Anita de Souza, deux lions chevronnés et rompus à la tasse. Moubachirou et Mylène étaient les motivateurs du club de Cotonou Orchidée. Ils nous bousculaient pour le respect des tests et le travail bien fait. Nous sommes très désemparés. Les Rotariens, notamment le gouverneur du district 9102, Victor Assanté, ayant effectué le déplacement depuis le Ghana, et les amis du club Inner Wheel, compatissant à la douleur de leurs amis lions, ont adressé leurs sincères condoléances aux éplorés. Ils les invitent à traverser cette épreuve avec courage. More in the names of the six, nous ferons plus en suivant leur pas. Et que chacun des six, autant qu'ils sont là, que nous allons continuer leurs actions sur terre. Et que ici, les clubs rotariens du Bénin sont compatissants des douleurs de Lyons, de même que tous les clubs rotariens du district 9102 et du district 9101, d'où est venu notre ami Tino. Nous, Inner Wheel du Bénin et du monde entier, prenons part à votre douleur, à votre tristesse lancinante et vous adressons nos sincères condoléances. Chers amis lions, soyez assurés de toute notre amitié et de notre soutien le plus solide en ces moments difficiles qui ébranlent plus d'un. D'autres clubs également se sont déplacés afin de soutenir leurs frères et amis lions. Il s'agit entre autres de la Jeune Chambre internationale du Bénin. Vous n'êtes pas seul dans cette douloureuse épreuve. Recevez à travers notre présence le réconfort de vos confrères de la Jeune Chambre internationale Bénin. Chers lions, Olivier, Rufine, Mylène, Mouba, Frida et Zora, vous êtes nos héros. Nous saisissons cette cérémonie de prière et d'hommage pour réitérer par ma voix et au nom de toutes les sœurs optimistes et des clubs féminins du Bénin de nos sincères condoléances à nos chers amis Lions Club et aux familles éplorées. Dans une atmosphère mélancolique, les condoléances d'autres districts de plusieurs pays tels que le Gabon et le Nigeria ont été faites aux amis lions du district 403 à 4. I ask that you accept. Je demande que vous acceptiez mes sincères condoléances de la famille du Lions Club du Nigeria. Nous ressentons votre peine. And we commiserate with you. Nous ne pouvons que nous incliner devant cette douloureuse épreuve. Mais nous conservons toujours les souvenirs affectueux des lions de cœur qu'ils furent, car ils nous laissent tous l'exemple d'une existence entièrement remplie par l'amitié, le devoir et le service à la communauté.
les lions du district multiple 403, qui compte 22 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, m'ont chargé de délivrer trois messages. Tout d'abord, un message de soutien moral et d'encouragement au gouverneur du district 403 A4, le docteur Philip Johnson, pour cette rude épreuve. Puis, un message de profonde compassion et de réconfort aux lions et aux léos du Bénin qui ont perdu certains de leurs amis lions. Conscient de la peine de ces hommes et femmes lions, et particulièrement des familles éplorées, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, représentée, exprime ses profondes condoléances. Tout autant qu'ils étaient, ils se sont investis dans le lionisme avec dévouement et dévotion. Aucun mot tiré du langage humain ne peut calmer la douleur ressentie après leur départ tragique. Rien ne peut vous consoler. Rien ne peut consoler leur famille biologique non plus. À l'instar de Saint-Augustin, qu'il me plaît bien de paraphraser, vous invitez à essuyer vos larmes et à ne plus pleurer. Les lions sont invités par le père à continuer à honorer leur engagement, ne serait-ce qu'en mémoire des 6 personnes disparues de leur organisation. Je voudrais, chers amis lions, Léo et Lyon du district 403 A4, faire appel à votre sens d'engagement et de service. Nous devons, en mémoire de nos amis, maintenir au plus haut niveau notre engagement à servir, dépasser notre ego, notre moi destructeur et donner la priorité au nous constructif. Nous devons ensemble continuer de bâtir notre jeune district. Ainsi, la vie associative de nos amis n'aura pas été inutile et leur mort n'aura pas été vaine. Sensibles à la situation, les hommes religieux aussi n'ont pas manqué de soutenir les parents des victimes. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Chers amis de l'Éternel, recevez donc les mots de consolation de nos officiants et prédicateurs de la parole de Dieu. Nous forgeons notre identité dans l'épreuve, dans l'attention aux autres. Les jours à venir, nous l'espérons très fortement, nous permettront d'écrire avec dignité une nouvelle page de notre histoire commune. Mais est-ce qu'il y a déjà la mort? Non, la mort n'est pas encore là. Parce que le monde n'est pas encore fini. C'est juste sortir de ce milieu dans lequel nous sommes pour aller en mission ailleurs. Les morts ne sont pas morts. Non, ils ont fini leur temps, leur mission. Ici, ils vont ailleurs. Au thème de cette cérémonie solennelle, les participants ont apprécié cette initiative. Ils donnent leurs appréciations et satisfaits. C'est une épreuve difficile, une épreuve douloureuse, une dure épreuve que nous traversons tous, le district 403 à 4, tous les lions du monde entier et naturellement la famille donc, de nos amis qui sont partis. Nous leur souhaitons encore beaucoup de courage et nous leur adressons une fois encore toutes nos condoléances les plus attristées. Nous sommes très heureux que beaucoup d'amis de plusieurs clubs services se soient déplacés vers nous et pour nous soutenir pour la cérémonie d'hommage à nos 5 amis lions et une lionne décédée suite à la tragédie de d'Assa Zoumé. Lions, rotariens, inouïl, amis et proches des défunts repartent dans l'espoir de ne plus vivre ce cauchemar. Rappelons que le tragique accident de d'Assa Zoumé a tué plus d'une vingtaine de personnes. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développer votre professionnalisme? Venez à Vidéo Leader. Il y a plus de 300 métiers aujourd'hui que je ne peux exercer pour ne pas finir dans le chômage. Tout jeune qui s'inscrit à Vidéo Leader Formation, une fois ayant fini la formation avec une moyenne de 14, c'est qu'il est systématiquement embauché. Il a du boulot et c'est assuré. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Si
vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. À bientôt!